over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis, c'est Supraworld. Pour ma part ça va assez bien, j'ai bien dormi cette nuit, donc on est parti pour une vidéo où on va se donner à fond. J'espère cette fois-ci vraiment que je vais pas trop faire d'accident, je vais pas entre guillemets avoir trop d'écart de conduite. Normalement ce sera satisfaisant suffisamment, ça ira. Nous allons tester... Sous vos yeux ébahis, je l'espère. Je sais pas si vous avez déjà testé le véhicule, n'hésitez pas à me dire en commentaire. La fameuse W Motors Lican Neon Edition. Donc c'est une version qui n'existe pas de la réalité évidemment. Le véhicule n'étant pas assez connu, même si c'est pas impossible, pour qu'il y ait des gens qui se disent « Oh, on va mettre des guirlandes dessus, je ne sais pas quoi », parce que l'édition néon, c'est vraiment qu'il y a de la lumière qui est en quelque sorte accrochée au véhicule. Vous voyez les petites lignes de lumière là. Moi j'aime bien ce genre de véhicule, c'est des éditions un peu spéciales. Donc attention, c'est pas de façon stricte, c'est pas des éditions spéciales, spécial edition. Mais c'est des éditions particulières quand même, quand elles soient assez cool. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que... Ok, vous l'avez vu au tout début, j'ai mis un petit teaser là. Enfin, c'est pas vraiment un teaser comme si la mise à jour est déjà arrivée, mais je vous ai montré un peu quelles étaient les news principales de la toute dernière mise à jour. Qui est la mise à jour numéro, je vous le mets à l'écran. Parce qu'à chaque fois j'oublie, donc je rajoute au montage après. Et pour voir un peu ce que vous pensez de cette mise à jour. Mais dans ce gameplay numéro 117, pour être précis, si je ne m'abuse, nous allons principalement découvrir... Allez, je l'ai déjà testé, donc je mords. Moi je vais un peu redécouvrir, mais on va découvrir ensemble, on va dire. Cette fameuse W Motors. Dans ce jeu, il y a pour l'instant 3 W Motors. Donc W Motors, c'est la marque. Après, pour le modèle, c'est différent. Nous avons la basique, entre guillemets, qui est déjà assez bonne, ou en tout cas assez rapide. C'est la W Motors Lican Hypersports. Après, on a la Fenrir Supersport. Celle-là, elle est censée être un peu meilleure, et je la trouve encore plus belle. Et maintenant, la Neo Edition, je sais pas si c'est celle que je préfère, mais elle en jette, en tout cas, elle en jette. Et ce serait, si jamais vous avez ce véhicule, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de gens qui l'ont. Ou alors, sauf si vous êtes un hacker. Hein. Et ben, je me demande si quand on aura ce véhicule, on pourra mettre la couleur absolument qu'on voudra et qu'il y aura toujours les lumières qui resteront au-dessus. Ça a attiré mon attention quand j'ai vu ça il y a quelques jours, l'arrivée de ce véhicule dans le jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Dans une première partie de cette vidéo, de ce gameplay, nous allons le tester dans l'événement spécial. J'ai vu le trailer, on va dire, de l'événement, ou plutôt l'annonce. Et ça m'a vraiment intéressé, comme je dis. On va un peu commencer cet événement. Je pense qu'on pourra utiliser le véhicule dès le début. Puis la seconde partie de la vidéo. Désolé pour l'écran, c'est quand je ne le touche pas pendant un petit moment. L'écran, on va dire, d'attente, on va dire. Et la deuxième partie de la vidéo, je disais, ça va être du mode multijoueur. On va faire quelques courses en multijoueur. En parlant un petit peu, mais surtout en se concentrant. Donc on va aussi essayer un peu de changer la peinture. Il n'y a que 4 peintures disponibles. Mais ma foi, c'est clairement suffisant. C'est un véhicule beau que j'ai déjà joué plusieurs fois avec, je le trouve assez agréable. N'hésitez pas à dire ce qu'il en est dans l'espace commentaire, ce que vous pensez esthétiquement de ce véhicule, si W Motors fait partie de vos marques préférées. Et surtout si le véhicule, vous trouvez qu'il est compétent. Ben, moi je trouve qu'il est compétent, un point c'est tout. Je sais pas si vraiment on peut dire qu'il est nul, quoi, c'est impossible à mon avis. Je sais pas si c'est dans les meilleurs véhicules de jeu, mais bref. On a certaines interrogations, moi j'en ai beaucoup, j'imagine que vous aussi. Et le but n'est pas de causer sur le même écran pendant 3 heures, donc on va y aller. On va commencer sérieusement ce gameplay. Donc, il faut aller dans événement saisonnier, c'est un événement assez spécial. Vous voyez la W Motors Lican Neon Edition, j'essaie de prendre le petit accent anglais.
Donc, on va appuyer sur le petit i. Là, vous voyez le véhicule? Il faut une clé pour l'obtenir. Ça fait partie des quelques véhicules du jeu, c'est une petite minorité. Il y en a quand même quelques-uns, mais la plupart s'obtiennent avec des plans où il faut une clé pour le débloquer. Ça, il n'y a pas de plan. Je trouve que ce véhicule en jette, je sais pas ce que vous en pensez. 395 km/h. J'ai presque l'impression que c'est la marque de fabrique en termes de km/h de cette marque de voiture. Parce que c'était également 395 km/h dans Asphalt 8 en tout cas. Je vous mets la photo avec sa petite sœur en version normale, la Lycan tout court, Lycan Hypersport du coup. Je sais pas pourquoi, ils essayaient quand même de respecter un minimum les vitesses réelles, parce que c'est bizarre que les mêmes nombres de km/h reviennent. Pareil pour Koenigsegg encore sur Asphalt Airborne. Je sais pas si dans Asphalt 9 ils respectent aussi les km/h, il y a aussi ces notions là, où le kilométrage est pareil dans la réalité que dans le jeu. Trêve de blabla, désolé si je cause beaucoup, n'hésitez pas à passer les moments où je parle, des fois j'ai l'impression de parler un peu dans le vide, ou non pas dans le vide, mais j'ai l'impression de parler de façon superflue là. Je me dis ce qui se passe par la tête. Donc c'est le type d'événement que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, sauf peut-être pour les débutants qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. C'est un événement très long, on a du temps pour le faire heureusement. Vous voyez, ça dure jusqu'à la fin du mois de février. Ouais, ça se débloque à partir de la fin du mois de février, sinon ça dure au moins une dizaine de jours. L'étape numéro 1, donc il faut remplir un certain nombre de conditions pour passer à l'étape suivante. Et parfois même, il faut avoir des véhicules, sinon vous ne pouvez pas continuer. Ça, je trouve, c'est très sélectif. Il y a un paquet de joueurs qui ne pourront jamais terminer ce genre d'événement. Vous voyez ici, on peut tester le véhicule gratuitement. Regardez. Et bien sûr, nous l'avons 6 étoiles dès le début. Véhicule de classe S, je rappelle. Je le rappelle. Je le souligne plutôt. Donc là, on a la peinture spéciale qu'on va utiliser pendant tout l'événement. Et puis, quand on fera les courses multijoueurs, on mettra un peu des peintures entre guillemets plus basiques. Ce serait une autre manière, une autre expérience pour tester le véhicule. Voilà. Allons-y les amis, sans plus attendre. Étape numéro 1, première course. Franchement, c'est un beau véhicule. J'espère qu'il y aura des commentaires les amis sur cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Alors ça, c'est la dernière course sortie sur le jeu. Qui est sorti maintenant, il y a une mise à jour d'ici. Course dont je n'ai pas encore trop l'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Et mettre des hélices dans le tunnel maintenant. J'avoue que je suis pas non plus méga concentré en tournant cette vidéo. Donc j'espère qu'on va pas trop faire de crash. Mais là, on va dire que je suis excusé parce que la piste, je la connais pas encore de trop. Et c'est pas la plus simple du jeu, quoi. J'avoue que je suis encore loin d'être professionnel, même si mon objectif, et je vais être patient, ça va prendre encore du temps, c'est de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Bon, ici, je me souviens, il fallait pas faire de vrille quand vous arrivez là, parce que ça peut, votre véhicule peut aller sur les pierres. Mais je crois qu'on est trop rapide ici, de toute façon. C'est plus quand il est là. Ok, donc la petite destruction occasionnée au début de course dans le tunnel fait que nous ne sommes pas premiers. Mais ce n'est pas grave. Donc on va faire quelques courses dans l'événement, juste pour le fun, principalement, et découvrir ce nouveau véhicule. Véhicule inédit, j'ai envie de dire. Et puis après, on passera au mode multiplayer, comme nous disions. Le truc, les amis, c'est qu'avec ce type d'événement, c'est tout le temps la même course par étape. Vous voyez, c'est pas comme des événements Drive Syndicate, où vous avez plusieurs missions, et que même si vous ratez une mission, vous faites une différente. Cette fois-ci, on va prendre l'autre chemin. On va essayer un peu mieux de rouler. Parce que des fois, quand je parle, vous voyez, je me force un peu à parler, à préciser mes propos, et ça m'enlève un peu de la concentration. C'est un peu bizarre à entendre, je sais bien, mais c'est ainsi. Des fois, je préfère juste me taire pour laisser place au jeu et plus me concentrer. Donc vraiment, il faut faire gaffe aux conditions qu'il faut remplir. Passer par là cette fois-ci. Ah, c'est pas mal ça. Vous voyez, j'ai pris le tremplin sur le côté, ce qui fait que je suis allé dans le sens inverse du tremplin pour faire les tonneaux. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Oula, c'est un peu dangereux ce qu'on vient de faire. Vous voyez ici, je préfère pas trop tourner pour pas aller sur les pierres. On va avoir une certaine vitesse quand même. Non, là cette fois-ci, nous terminons premier. Écoutez, je vais peut-être... je fais une ellipse, donc pour vous, ce serait instantané. Mais je vais essayer de terminer cette étape numéro 1
pour qu'ensuite on passe à la 2 et faire une course différente quand même. Un peu de diversité, ça fait pas de mal. Attendez les amis, mes excuses, je n'ai rien dit parce que la prochaine étape, c'est même pas le même véhicule. Et en plus, c'est à partir du 22 février qu'on peut la débloquer. Mais alors, je tourne la vidéo, on est le 24, samedi 24. Donc écoutez, vous voyez, il faut faire jusqu'à l'étape 5 pour pouvoir réutiliser le véhicule dans une course différente. Donc on va refaire une troisième fois la course ici. Si c'est trop répétitif, n'hésitez pas à passer 2 minutes, comme ça vous passez directement à la partie multijoueur. J'espère que jusqu'à maintenant vous aimez bien cette vidéo. Si c'est le cas, comme on dit, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et on a des récompenses, pas forcément des grosses récompenses, elles grossissent, je précise, avec l'avancement. Plus vous allez dans les étapes, plus c'est gros évidemment. Des jetons, c'est cool ça. On va encore faire une fois cette course-ci, je disais. Essayer peut-être, vraiment on va essayer de faire un chrono ici, de faire mieux que les deux courses qu'on a faites jusqu'ici. En avant. Je me souviens, au tout début, quand on avait les trailers de la mise à jour, donc c'était il y a déjà 1 ou 2 mois, où ce circuit, cet endroit, allait être nouveau, vraiment qu'il allait arriver dans le jeu, ben, je voyais Norway, et on disait que c'était à l'extrême nord de l'Europe, au nord de l'Europe, et je me disais, mais c'est quoi Norway? Je comprenais pas. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est tout simple. Vous voyez, l'autre, il s'était détruit sur une pale de l'espèce d'éolienne, la délice. Du coup, comme il a cassé l'hélice, ben nous, on a pu y aller. Il nous a directement sauvé, quoi. On va essayer de bien le prendre, ici. Franchement, je me suis amélioré dans ce jeu en termes de conduite, mais c'est pas encore tout à fait ça. Le problème, c'est que si on va un peu trop loin, voilà ce qui se passe. Je savais bien que ça pouvait arriver une fois. Je sais pas si c'est vraiment de ma faute, quoi. Des fois, on n'a pas de chance. Ok. Le véhicule, je sais pas pourquoi, il a pas fait un tonneau complet. On l'a peut-être pas pris assez haut. Bon, ok, la course qu'on voulait faire, on disait que on voulait essayer de faire la meilleure course, mais finalement, c'est transformé en la pire course. Quelle ironie, vous allez me dire. Il y a eu un peu de malchance, mais on aurait pu faire mieux aussi. Ok, donc fini avec cette partie de la vidéo où on est dans l'événement. J'espère que c'est de votre goût jusqu'à maintenant. Passons maintenant au mode multijoueur avec un contexte différent, donc des joueurs qu'on va devoir affronter. Et on se donne l'objectif de la plupart du temps d'essayer de terminer les courses sur le podium. Je pense que c'est pas impossible. J'ai déjà fait quelques courses en multijoueur. Donc je suis un peu expérimenté, on va dire. C'est un véhicule qui a une bonne maniabilité. Donc il est pas trop difficile à manier, je trouve. Bref, plus d'attente, allons-y. Mais où avais-je la tête? Ok, on n'a pas récupéré les récompenses des événements parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Contrairement à certaines dernières qu'on a faites. Mais on a oublié d'ouvrir le pack de cartes gratuit, ça c'est assez dommage. Faisons-le maintenant du coup. Vaut mieux tard que jamais comme on dit. Hein. Le mode multijoueur comme nous disions. Ne vous moquez pas, je suis en Ligue Novice. Je pense qu'on va essayer d'atteindre la Ligue Rookie. Donc la Ligue Argent si vous voulez. Il ne manque plus que 30 points pour atteindre la note 1100. Ouais, franchement, on peut le faire, je crois. Au niveau des récompenses. Ah ouais, on a des kits de carrosserie. Franchement, c'est un événement intéressant, même si vous n'êtes pas très élevé. Des récompenses inédites, j'ai envie de dire. Même si vous n'êtes pas très élevé en termes de compétences dans le jeu. Cette peinture-ci, c'est l'une de celles que je préfère. Allons-y. Let's go for the race. En tout de cette vidéo, on fait un total de 6 courses. C'est la 4e ici. Moi, je compte pas rigoler, là. On va essayer au mieux d'être premier. Au pire, d'être 3e. Faut s'en tenir à ses objectifs, comme on dit. Mais je connais... Ok. Vous voyez, ça m'énerve, c'est quand je suis en plein de l'action. Et puis, d'un seul coup, il se passe une dinguerie. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et puis, je suis détruit, là, d'un seul coup. Bon, je retire ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je suis en forme, mais je suis pas très concentré. Ce qui fait que je peux quand même pas donner le meilleur de moi-même. Il y en a qui se disent peut-être, mais quand est-ce qu'il peut donner le meilleur de lui-même, celui-là? Vous voyez, ici, c'est mal fait, parce que des fois, oh, ça se fait n'importe quoi. Vous voyez, là, ça tourne à l'infini, on dirait. Vous savez qu'on vient de faire 300...
Ok, on vient de faire caisse 360. Des fois on passe au-dessus de la rambarde, là on passe au-dessus des côtés, des parois, sans trop savoir. Mais ça commence mal là, ça continue mal plutôt. Mais en deux courses on peut encore réussir à atteindre la Ligue Argent. On ne se décourage pas, on va essayer de faire mieux pour les deux prochaines. Je vous rappelle les amis que dans ces vidéos on est là principalement pour s'amuser, pour prendre du fun. Donc s'il y en a qui sont des très beaux joueurs, on va dire entre guillemets un peu exigeants, et qui se disent oui ils jouent pas bien, ben c'est pas vraiment une raison valable pour ne pas aimer la vidéo, voire même pour m'en vouloir pour certains. Là on est là pour s'amuser, donc pour analyser un peu le véhicule, surtout pour profiter. Donc s'il y a des accidents et tout ça, vous savez qu'au fond on s'en fout un peu. Même si de façon générale c'est bien d'essayer d'évoluer quand même. Donc plus que deux courses, on n'abandonne pas. On va vite fait changer la peinture pour la mettre en rouge, comme ça elle pète encore plus. Même si je préfère en bleu, je sais pas laquelle peinture vous préférez. Cette fois-ci, une course à New York. Ça faisait un petit moment qu'on était en mode histoire, les amis, notamment en testant des véhicules qu'on débloque. J'en ai encore d'autres à débloquer, je vous le dis. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, plusieurs semaines au moins. Mais cette fois-ci, je me dis pourquoi pas une vidéo spéciale par rapport à la nouvelle mise à jour. Donc ne portant pas forcément sur le nouvel update, mais pour montrer cette nouvelle voiture en mode multijoueur et en mode event aussi. Je me dis que ça peut être pas mal, donc j'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Il n'y a que deux joueurs, c'est très rare ça. Deux joueurs en multijoueur. On va essayer de gagner la course, j'espère que c'est pas l'un des meilleurs au monde. Mais je pense que c'est dans nos cordes, il n'a pas l'air si fort que ça. Il faudrait vraiment qu'on joue comme un gros nul pour ne pas gagner la course. Non, quand il n'y a que deux joueurs, c'est obligé de réussir, hein, franchement. Ah ouais, quand on est en rouge, j'ai même l'impression que la course se passe mieux. C'est un peu dans la tête, je crois, mais ça fait plaisir. Et ma technique ici, c'est de redescendre, puis de reprendre le tremplin. Comme ça, on continue à gagner de la vitesse. On est d'accord, les amis, quand on n'est pas suffisamment concentré, on ne peut pas vraiment montrer notre vrai potentiel, quoi. C'est une question d'éveil, un peu. Je sais pas exactement quelle est la vitesse maximale de ces véhicules. Attendez, l'autre joueur, on est en train de l'écraser là. Vraiment, on va lui mettre un petit sourire là qui tire la langue. Vous voyez ça m'énerve là. C'est vraiment dans ma tête, et des fois, je suis pris au dépourvu et j'arrive pas à choisir entre aller à droite ou aller à gauche. Donc à la dernière minute, je réavise mon choix et je vais au milieu. Ça veut dire que ben, c'est le pire choix en fait. On se crache contre la borne centrale. Donc quand on est que deux, on peut pas trop gagner de. Vous voyez, de vitesse comme ça. De vitesse, moi, que je raconte. De poids, plutôt. Passons maintenant à la troisième et dernière course. Donc la sixième course en tout. Cette fois-ci, on va pas rigoler. On va vraiment essayer de terminer premier ou en tout cas sur le podium. Pour atteindre l'objectif. Suspense. Cette fois-ci, mettons-la en blanche. Elle en jette aussi, mais je préfère quand même quand c'est plus coloré, on va dire. Cette fois, une course aux Caraïbes. En anglais, ça se dit The Caribbean. Savoir que bean, dans cette langue-là, ça veut dire haricot. Étrange. Bon, là, on peut gagner. Je vais essayer d'un peu moins parler. Comme apparemment, je suis pas très concentré. Comme ça, si je fais qu'une chose à la fois, ce sera plus simple, je l'espère. J'espère également que les joueurs ne sont pas trop talentueux, sinon on va avoir du mal. On va pas trop haut comme ça, on va prendre l'autre tremplin après. Voilà, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, et là les amis, c'est pas de chance. Des fois je me dis, j'essaye de bien jouer, puis il y a une dinguerie qui se passe. Là je sais pas si c'est, on peut dire que c'est de ma faute là ou pas, je sais pas. Le véhicule il est parti en n'importe comment. Bon, on n'abandonne pas, mais faut être réaliste quand même, je pense pas que ça va le faire. Hein. Je maîtrise ce véhicule un peu moins bien que je le pensais. Je préfère être honnête. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas très très bien roulé. Contrairement à ce que je vous avais annoncé, je suis désolé. Je pensais être plus concentré que ça. Dans les jeux de course, si on n'est pas concentré, ça va pas. Vu que c'est rapide, évidemment. Prochaine vidéo, ça ira mieux, je vous le garantis. On va quand même mettre un petit sourire pour montrer qu'on a toujours de la bonne humeur et qu'on n'abandonne pas. Bon. On n'est pas dernier, au moins on est cinquième.
Mais ok. C'était décevant, les amis. Mais bref, cette vidéo, la révocation a pu découvrir un nouveau véhicule que je trouve très beau. C'est un de mes préférés dans le jeu actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert, comme je le dis régulièrement. Je vous souhaite de bien vous porter, les amis, de prendre soin de vous et de vos proches, d'atteindre vos objectifs dans la vie et surtout de profiter de l'instant présent. Je vais essayer de faire pareil. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur ce jeu magnifique, pour de prochaines courses folles. Ciao et bye bye.